Pourrais-tu m'aider? Pourrais-tu m'aider? Pourrais-tu m'aider? Can you help me? Pourrais-tu m'aider? Fais comme il te plaira. Fais comme il te plaira. Fais comme il te plaira. Do as you like. Fais comme il te plaira. Ce livre est à vous. Ce livre est à vous. Ce livre est à vous. This book is yours. Ce livre est à vous. L'anglais est, est facile à apprendre l'anglais est facile à apprendre l'anglais est facile à apprendre english is easy to learn l'anglais est facile à apprendre j'étudie depuis deux heures j'étudie depuis deux heures j'étudie depuis deux heures i have been studying for two hours. j'étudie depuis deux heures. il a une montre très chère. il a une montre très chère. il a une montre très chère. he has a very expensive watch. il a une montre très chère. Elle le fit attendre longtemps. Elle le fit attendre longtemps. Elle le fit attendre longtemps. She kept him waiting for a long time. Elle le fit attendre longtemps. Je peux parfaitement le comprendre. 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 Je veux une cravate qui aille avec ce costume. Je veux une cravate qui aille avec ce costume. Je veux une cravate qui aille avec ce costume. I want a tie to go with this suit. Je veux une cravate qui aille avec ce costume. Il en sait beaucoup sur les animaux. Il en sait beaucoup sur les animaux. Il en sait beaucoup sur les animaux. He knows a lot about animals. Il en sait beaucoup sur les animaux. Rester chez soi n'a rien d'amusant. Rester chez soi n'a rien d'amusant. Rester chez soi n'a rien d'amusant. Staying home isn't fun. Rester chez soi n'a rien d'amusant. J'espère que le jeu de bal d'aujourd'hui ne sera pas annulé. J'espère que le jeu de balle d'aujourd'hui ne sera pas annulé. J'espère que le jeu de balle d'aujourd'hui ne sera pas annulé. hope ball won't be J'espère que le jeu de balle d'aujourd'hui ne sera pas annulé. J'avais perdu mon stylo. J'avais perdu mon stylo. J'avais perdu mon stylo. I had lost my pen. J'avais perdu mon stylo. Ce roman est difficile à comprendre. Ce roman est difficile à comprendre. Ce roman est difficile à comprendre. This novel is difficult to understand. Ce roman est difficile à comprendre. Tous mes amis aiment le football. Tous mes amis aiment le football. Tous mes amis aiment le football. All of my friends like soccer. Tous mes amis aiment le football. Qui a-t-il dans cette boîte? Qui a-t-il dans cette boîte? Qu'y a-t-il dans cette boîte? What is in this box? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Que faites-vous habituellement les dimanches? Que faites-vous habituellement les dimanches? Que faites-vous habituellement les dimanches? What do you usually do on Sundays? Que faites-vous habituellement les dimanches? À emporter ou à consommer sur place. À emporter ou à consommer sur place. À emporter ou à consommer sur place. For here or to go. À emporter ou à consommer sur place. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. I want to marry you. Je veux t'épouser. La porte est ouverte maintenant. La porte est ouverte maintenant. La porte est ouverte maintenant. The door is open now. La porte est ouverte maintenant. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. I'm free now. Je suis libre maintenant. Une de ces deux réponses est juste. Une de ces deux réponses est juste. Une de ces deux réponses est juste. One of these two answers is right. Une de ces deux réponses est juste. Il a été à court d'argent. 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 Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends What are you waiting for? Qu'est-ce que tu attends Il l'aime. Il l'aime. Il l'aime. He loves her. Il l'aime. Je ne fume ni ne bois. Je ne fume ni ne bois. Je ne fume ni ne bois. I neither smoke nor drink. Je ne fume ni ne bois. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. I'll miss you. Tu vas me manquer. C'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon. He is a kind boy. C'est un gentil garçon. Il a joué au tennis. Il a joué au tennis. Il a joué au tennis. He played tennis. Il a joué au tennis. Il a plus de force que moi. Il a plus de force que moi. Il a plus de force que moi. He is stronger than I am. Il a plus de force que moi. Ils ont deux filles. Ils ont deux filles. Ils ont deux filles. They have two daughters. Ils ont deux filles. Ma famille va en Italie chaque année. Ma famille va en Italie chaque année. Ma famille va en Italie chaque année. My family goes to Italy every year. Ma famille va en Italie chaque année. Tous les soirs j'écoute la radio. Tous les soirs j'écoute la radio. Tous les soirs j'écoute la radio. I listen to the radio every night. Tous les soirs j'écoute la radio. On m'a volé ma voiture hier soir. On m'a volé ma voiture hier soir. On m'a volé ma voiture hier soir. My car was stolen last night. On m'a volé ma voiture hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon court. Ce garçon court. Ce garçon court. That boy is running. Ce garçon court. Je ne dirai jamais. Je ne dirai jamais. Je ne dirai jamais. I will never tell. Je ne dirai jamais. Il fait vraiment chaud ici. Il fait vraiment chaud ici. Il fait vraiment chaud ici. It's very hot here. Il fait vraiment chaud ici. Le voyez-vous souvent? Le voyez-vous souvent? Le voyez-vous souvent? Do you see him often? Le voyez-vous souvent? Un vent fort soufflé. Un vent fort soufflé. Un vent fort soufflé. A strong wind was blowing. Un vent fort soufflé. je suis désolé, j'ai laissé tomber mon couteau. je suis désolé, j'ai laissé tomber mon couteau. je suis désolé, j'ai laissé tomber mon couteau. i'm sorry, i dropped my knife. je suis désolé, j'ai laissé tomber mon couteau. en as-tu un? Hein? En as-tu un? En as-tu un? Do you have one? En as-tu un? L'imprimante a besoin de papier. L'imprimante a besoin de papier. L'imprimante a besoin de papier. The printer needs paper. L'imprimante a besoin de papier. J'aimerais gagner davantage d'argent. J'aimerais gagner davantage d'argent. J'aimerais gagner davantage d'argent. I wish I earned more money. J'aimerais gagner davantage d'argent. Ne craignez pas de faire des fautes en parlant anglais. Ne craignez pas de faire des fautes en parlant anglais. Ne craignez pas de faire des fautes en parlant anglais. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Ne craignez pas de faire des fautes en parlant anglais. Je vais chez mon père deux fois par an. Je vais chez mon père deux fois par an. Je vais chez mon père deux fois par an. I go to my father's place twice a year. Je vais chez mon père deux fois par an. Il doit son succès à ses parents. Il doit son succès à ses parents. Il doit son succès à ses parents. He owes his success to his parents. Il doit son succès à ses parents. Qu'avez-vous mangé pour le petit-déjeuner? Qu'avez-vous mangé pour le petit-déjeuner? Qu'avez-vous mangé pour le petit-déjeuner? What did you eat for breakfast? Qu'avez-vous mangé pour le petit déjeuner? Les filles ont commencé à rire. Les filles ont commencé à rire. Les filles ont commencé à rire. The girls began to laugh. Les filles ont commencé à rire. Ces produits se vendent comme des petits pains. Ces produits se vendent comme des petits pains. Ces produits se vendent comme des petits pains. These products are selling like hot cakes. Ces produits se vendent comme des petits pains. Ce journal est gratuit. Ce journal est gratuit. Ce journal est gratuit. This newspaper is free. Ce journal est gratuit. Je suis rentré chez moi en train. Je suis rentré chez moi en train. Je suis rentré chez moi en train. I returned home by train. Je suis rentré chez moi en train. Je n'aime pas ce pull. Je n'aime pas ce pull. Je n'aime pas ce pull. I don't like this sweater. Je n'aime pas ce pull. sont-elles japonaises? sont-elles japonaises? sont-elles japonaises? Are they Japanese? sont-elles japonaises? Sont Japonaise? Ne laissez pas le secret négligemment. Ne laissez pas le secret négligemment. Ne laissez pas le secret négligemment. Don't spill the beans. Ne laissez pas le secret négligemment. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Let me go alone. Laisse-moi tranquille. Comment vont, Comment vont les affaires? Comment vont les affaires? Comment vont les affaires? How's business? Comment vont les affaires? <y a> <erreur> J'ai failli faire une erreur. 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 Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. I can't help crying. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Ne dites pas de mensonges. Ne dites pas de mensonges. Ne dites pas de mensonges. Don't tell lies. Ne dites pas de mensonges. Les visiteurs ne sont pas autorisés à nourrir les animaux. Les visiteurs ne sont pas autorisés à nourrir les animaux. Les visiteurs ne sont pas autorisés à nourrir les animaux. Visitors may not feed the animals. Les visiteurs ne sont pas autorisés à nourrir les animaux. J'ai oublié de verrouiller le stock. J'ai oublié de verrouiller le stock. J'ai oublié de verrouiller le stock. I forgot to lock the store room. J'ai oublié de verrouiller le stock. Mon père m'a obligé à laver la voiture. Mon père m'a obligé à laver la voiture. Mon père m'a obligé à laver la voiture. My father made me wash the car. Mon père m'a obligé à laver la voiture. Nous avons vu des nuages au-dessus de la montagne. Nous avons vu des nuages au-dessus de la montagne. Nous avons vu des nuages au-dessus de la montagne. We saw clouds above the mountain. Nous avons vu des nuages au-dessus de la montagne. Nom et adresse, s'il vous plaît. Nom et adresse s'il vous plaît. Nom et adresse s'il vous plaît. Name and address, please. Nom et adresse s'il vous plaît. Le pain est fait à partir de blé. Le pain est fait à partir de blé. Le pain est fait à partir de blé. Bread is made from wheat. Le pain est fait à partir de blé. Ma mère a coupé le gâteau. Ma mère a coupé le gâteau. Ma mère a coupé le gâteau. My mother cut the cake. Ma mère a coupé le gâteau. Il faut que je me coiffe. Il faut que je me coiffe. Il faut que je me coiffe. I have to comb my hair. Il faut que je me coiffe. Où devrions-nous aller? Où devrions-nous aller? Où devrions-nous aller? Where should we go? Où devrions-nous aller? Est-ce que tu étais occupé hier? Est-ce que tu étais occupé hier? Est-ce que tu étais occupé hier? Were you busy yesterday? Est-ce que tu étais occupé hier? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller. You may go there. Tu peux y aller. Il est capable d'enseigner le français. Il est capable d'enseigner le français. Il est capable d'enseigner le français. He is capable of teaching French. Il est capable d'enseigner le français. Combien de temps ont-ils vécu en Angleterre? Combien de temps ont-ils vécu en Angleterre? Combien de temps ont-ils vécu en Angleterre? How long did they live in England? Combien de temps ont-ils vécu en Angleterre? J'ai un chien. J'ai un chien. J'ai un chien. I have a dog. J'ai un chien. Je l'ai connu en France. Je l'ai connu en France. Je l'ai connu en France. I got acquainted with her in France. Je l'ai connu en France. Je me dépêchais pour avoir le premier train. Je me dépêchais pour avoir le premier train. Je me dépêchais pour avoir le premier train. I hurried in order to catch the first train. Je me dépêchais pour avoir le premier train. À quelle heure partons-nous demain? À quelle heure partons-nous demain? À quelle heure partons-nous demain? Partons demain? What time do we leave tomorrow? À quelle heure partons-nous demain? Je peux le faire en la moitié du temps. Je peux le faire en la moitié du temps. Je peux le faire en la moitié du temps I can do it in half the time. Je peux le faire en la moitié du temps Allume la télévision s'il te plaît Allume la télévision s'il te plaît Allume la télévision s'il te plaît Please turn on the TV. allume la télévision s'il te plaît. Je me suis fait mal au coude. Je me suis fait mal au coude. Je me suis fait mal au coude. I hurt my elbow. Je me suis fait mal au coude. Les Pays-Bas sont un petit pays. Les Pays-Bas sont un petit pays. Les Pays-Bas sont un petit pays. The Netherlands is a small country. Les Pays-Bas sont un petit pays. Qu'a-t-il qu dit Qu'a-t-il qu dit Qu'a-t-il qu dit What qu did he say? Qu'a-t-il dit qu Gardez un œil sur les sacs. Gardez un œil sur les sacs. Gardez un œil sur les sacs. Keep an eye on the bags. Gardez un œil sur les sacs. La boîte est presque vide. La boîte est presque vide. La boîte est presque vide. The box is almost empty. La boîte est presque vide. Il va pleuvoir cet après-midi. Il va pleuvoir cet après-midi. Il va pleuvoir cet après-midi. It is going to rain this afternoon. Il va pleuvoir cet après-midi. Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excuse me, but may I open the window? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Ça avait un goût sucré. Ça avait un goût sucré. Ça avait un goût sucré. It tasted sweet. Ça avait un goût sucré. Il est interdit de discuter dans la bibliothèque. Il est interdit de discuter dans la bibliothèque. Il est interdit de discuter dans la bibliothèque. Talking in the library is not allowed. Il est interdit de discuter dans la bibliothèque. Parle-t-elle français? Parle-t-elle français? Parle-t-elle français? Does she speak French? Parle-t-elle français? Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. I'll do my best. Je ferai de mon mieux. Qu'a dit le médecin? Qu'a dit le médecin? Qu'a dit le médecin? What did the doctor say? Qu'a dit le médecin? Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Everybody wants to be happy. Tout le monde veut être heureux. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. J'ai mal, mal au crâne. I have a headache. J'ai mal au crâne. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. There's no evidence. Il n'y a pas de preuve. Ces livres sont les leurs. Ces livres sont les leurs. Ces livres sont les leurs. Those books are theirs. Ces livres sont les leurs. Le fruit s'est avarié. Le fruit s'est avarié. Le fruit s'est avarié. The fruit went bad. Le fruit s'est avarié. Il entra en courant dans la pièce. Il entra en courant dans la pièce. Il entra en courant dans la pièce. He ran into the room. Il entra en courant dans la pièce. Je suis facile à vivre. Je suis facile à vivre. Je suis facile à vivre. I'm easy going. Je suis facile à vivre. Détendez-vous. 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 Take it easy. Détendez-vous. Il joue au football. Il joue au football. Il joue au football. He plays soccer. Il joue au football. Et que s'est-il passé? Et que s'est-il passé? Et que s'est-il passé? Hey, what happened? Et que s'est-il passé? Qui a peint ce tableau? Qui a peint ce tableau? Qui a peint ce tableau? Who painted this picture? Qui a peint ce tableau? Je commence à m'en souvenir. Je commence à m'en souvenir. Je commence à m'en souvenir. I am beginning to remember it. Je commence à m'en souvenir. Veuillez retirer vos chaussures. Veuillez retirer vos chaussures. Veuillez retirer vos chaussures. Take off your socks, please. Veuillez retirer vos chaussures. Le magasin était fermé quand j'y suis allé. Le magasin était fermé quand j'y suis allé. Le magasin était fermé quand j'y suis allé. The shop was closed when I went there. Le magasin était fermé quand j'y suis allé. Mon frère vous envoie ses amitiés. Mon frère vous envoie ses amitiés. Mon frère vous envoie ses amitiés. My brother sends you his regards. Mon frère vous envoie ses amitiés. J'ai déjeuné à 7h30. J'ai déjeuné à 7h30. J'ai déjeuné à 7h30. I had breakfast at 7:30. J'ai déjeuné à 7h30. Où avez-vous vu la femme Où avez-vous vu la femme avez-vous vu la femme? Where did you see the woman où avez-vous vu la femme Elle veut être designer Elle veut être designer Elle veut être designer. She wants to be a designer Elle veut être designer. Ne jetez pas cette tasse. Ne jetez pas cette tasse. Ne jetez pas cette tasse. Don't drop that cup. Ne jetez pas cette tasse. Je ne suis pas toujours à la maison le dimanche. Je ne suis pas toujours à la maison le dimanche. Je ne suis pas toujours à la maison le dimanche. Je ne suis pas toujours à la maison le dimanche. C'est inhabituel pour lui de se lever tôt. C'est inhabituel pour lui de se lever tôt. C'est inhabituel pour lui de se lever tôt. it's unusual for him to get up early c'est inhabituel pour lui de se lever tôt avez-vous déjà vu un kangourou avez-vous déjà vu un kangourou avez-vous déjà vu un kangourou have you ever seen a kangaroo avez-vous déjà vu un kangourou Mon père a insisté pour que nous partions. Mon père a insisté pour que nous partions. Mon père a insisté pour que nous partions. My father insisted that we should go. Mon père a insisté pour que nous partions. Notre réfrigérateur est en panne. Notre réfrigérateur est en panne. Notre réfrigérateur est en panne. Our refrigerator is out of order. Notre réfrigérateur est en panne. Traduisez cette peine en anglais. Traduisez cette peine en anglais. Traduisez cette peine en anglais. Put this sentence into English. Traduisez cette peine en anglais. Tu avais tort après tout. Tu avais tort après tout. Tu avais tort après tout. You were wrong after all. Tu avais tort après tout. Il n'y a aucune chance de réussite. Il n'y a aucune chance de réussite. Il n'y a aucune chance de réussite. There is no hope of success. Il n'y a aucune chance de réussite. Elle est absente de l'école depuis cinq jours. elle est absente de l'école depuis cinq jours elle est absente de l'école depuis cinq jours she has been absent from school for five days elle est absente de l'école depuis cinq jours elle accrocha le calendrier au mur elle accrocha le calendrier au mur Elle accrocha le calendrier au mur. She hung the calendar on the wall. Elle accrocha le calendrier au mur. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Don't be so angry. Ne te mets pas en colère. D'ordinaire, je mange à l'extérieur. D'ordinaire, je mange à l'extérieur. D'ordinaire, je mange à l'extérieur. I usually eat out. D'ordinaire, je mange à l'extérieur. Quels sont tes points forts? Quels sont tes points forts? Quels sont tes points forts? What are your strong points? Quels sont tes points forts? Il pourrait pleuvoir demain. Il pourrait pleuvoir demain. Il pourrait pleuvoir demain. It may rain tomorrow. Il pourrait pleuvoir demain. Je n'ai plus mal à la tête. Je n'ai plus mal à la tête. Je n'ai plus, plus mal à la tête. My headache has gone. Je n'ai plus mal à la tête. Je n'aime pas beaucoup le fromage. Je n'aime pas beaucoup le fromage. Je n'aime pas beaucoup le fromage. I don't like cheese very much. Je n'aime pas beaucoup le fromage. Il est son ami. Il est son ami. Il est son ami. He is her friend. Il est son ami. Je suis de Singapour. Je suis de Singapour. Je suis de Singapour. I'm from Singapour. Je suis de Singapour. Il a peur de devenir malade. Il a peur de devenir malade. Il a peur de devenir malade. He is afraid of becoming sick. Il a peur de devenir malade. M'aideras-tu pour mes devoirs? M'aideras-tu pour mes devoirs? M'aideras-tu pour mes devoirs? Will you help me with my homework? M'aideras-tu pour mes devoirs? Je rappellerai plus tard. Je rappellerai plus tard. Je rappellerai plus tard. I'll call again later. Je rappellerai plus tard. Ne fais pas encore la même erreur. Ne fais pas encore la même erreur. Ne fais pas encore la même erreur. Don't make the same mistake again. Ne fais pas encore la même erreur. Le lait a un goût acide. Le lait a un goût acide. Le lait a un goût acide. The milk tastes sour. Le lait a un goût acide. Ce ne sont pas mes livres. Ce ne sont pas mes livres. Ce ne sont pas mes livres. These aren't my books. Ce ne sont pas mes livres. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Tu ferais mieux de ne pas y aller. You'd better not go. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Elle a une fille qui est pianiste. Elle a une fille qui est pianiste. Elle a une fille qui est pianiste. She has a daughter who is a pianist. Elle a une fille qui est pianiste. Il me semble qu'il est honnête. Il me semble qu'il est honnête. Il me semble qu'il est honnête. It seems to me that he is honest. Il me semble qu'il est honnête. Il fait une promenade. Il fait une promenade. Il fait une promenade. He is taking a walk. Il fait une promenade. J'ai besoin de papier. J'ai besoin de papier. J'ai besoin de papier. I need some paper. J'ai besoin de papier. Ce n'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. It's not so far. Ce n'est pas si loin. Lui avez-vous téléphoné? Lui avez-vous téléphoné? Lui avez-vous téléphoné? Did you telephone him? Lui avez-vous téléphoné? Je suis allé marcher au parc. Je suis allé marcher au parc. Je suis allé marcher au parc. I went for a walk in the park. Je suis allé marcher au parc. Si seulement je savais parler anglais. Si seulement je savais parler anglais. Si seulement je savais parler anglais. If only I could speak English. Si seulement je savais parler anglais. Peux-tu me prendre à la gare? Peux-tu me prendre à la gare? Peux-tu me prendre à la gare? Can you pick me up at the station? Peux-tu me prendre à la gare? J'aimerais manger des sushis. J'aimerais manger des sushis. J'aimerais manger des sushis. I would like to eat sushi. J'aimerais manger des sushis. Quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? When does it end? Quand est-ce que ça finit? Il met souvent les gens en colère. Il met souvent les gens en colère. Il met souvent les gens en colère. He often makes people angry. Il met souvent les gens en colère. L'Asie est beaucoup plus grande que l'Australie. L'Asie est beaucoup plus grande que l'Australie. L'Asie est beaucoup plus grande que l'Australie. Asia is much larger than Australia. L'Asie est beaucoup plus grande que l'Australie. Y a-t-il un couvre-feu? Y a-t-il un couvre-feu? Y a-t-il un couvre-feu? Is there a curfew? Y a-t-il un couvre-feu? Vous devez garder votre chambre propre. Vous devez garder votre chambre propre. Vous devez garder votre chambre propre. You must keep your room clean. Vous devez garder votre chambre propre. Notre professeur parle aussi bien français qu'anglais. Notre professeur parle aussi bien français qu'anglais. Notre professeur parle aussi bien français qu'anglais. Our teacher speaks French as well as English. Notre professeur parle aussi bien français qu'anglais. Elle rejeta ma proposition. Elle rejeta ma proposition. Elle rejeta ma proposition. She rejected my proposal. Elle rejeta ma proposition. Y a-t-il des places libres? Y a-t-il des places libres? Y a-t-il des places libres? Are seats available? Y a-t-il des places libres? N'éteins pas la lumière. N'éteins pas la lumière. N'éteins pas la lumière. Don't turn off the light. N'éteins pas la lumière. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. It's not my fault. Ce n'est pas ma faute. C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. This is a book. C'est un livre. Me prêterais-tu ton stylo? Me prêterais-tu ton stylo? Me prêterais-tu ton stylo? Would you lend me your pen? Me prêterais-tu ton stylo? Je l'ai vu sauter. Je l'ai vu sauter. Je l'ai vu sauter. I saw him jump. Je l'ai vu sauter. Il est très jeune. Il est très jeune. Il est très jeune. He is very young. Il est très jeune. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. I felt like crying. J'ai envie de pleurer. Il y a un problème avec mon email. Il y a un problème avec mon email. Il y a un problème avec mon email. Something's wrong with my email. Il y a un problème avec mon email. Nous sommes devenus amis avec Tom. Nous sommes devenus amis avec Tom. Nous sommes devenus amis avec Tom. We have made friends with Tom. Nous sommes devenus amis avec Tom. C'est un très vieux livre. C'est un très vieux livre. C'est un très vieux livre. This is a very old book. C'est un très vieux livre. Je me sentais très heureux. Je me sentais très heureux. Je me sentais très heureux. I felt very happy. Je me sentais très heureux. Ton bain est prêt. Ton bain est prêt. Ton bain est prêt. Your bath is ready. Ton bain est prêt. Ne voudriez-vous pas un autre verre de bière? Ne voudriez-vous pas un autre verre de bière? Ne voudriez-vous pas un autre verre de bière? Wouldn't you like another glass of beer? Ne voudriez-vous pas un autre verre de bière? De quoi sont-ils faits? De quoi sont-ils faits? De quoi sont-ils faits? What are they made of? De quoi sont-ils faits? Cette maison a besoin d'un coup de peinture. Cette maison a besoin d'un coup de peinture. Cette maison a besoin d'un coup de peinture this house needs painting. cette maison a besoin d'un coup de peinture j'entendis quelqu'un appeler mon nom j'entendis quelqu'un appeler mon nom j'entendis quelqu'un appeler mon nom i heard some one calling my name j'entendis quelqu'un appeler mon nom. Regardez la carte à la page 62. Regardez la carte à la page 62. Regardez la carte à la page 62. Look at the map on page 62. Regardez la carte à la page 62. Quand cela a été construit? Quand cela a été construit? Quand cela a été construit? When was it built? Quand cela a été construit? Ces livres sont les nôtres. Ces livres sont les nôtres. Ces livres sont les nôtres. Sont les nôtres. These books are ours. Ces livres sont les nôtres où est la fin de cette ligne où est la fin de cette ligne où est la fin de cette ligne where is the end of où est la fin de cette ligne Peu d'étudiants connaissent son nom peu d'étudiants connaissent son nom. Peu d'étudiants connaissent son nom. Few students knew his name. Peu d'étudiants connaissent son nom. Demain est mon jour de congé. Demain est mon jour de congé. Demain est mon jour de congé. Tomorrow is my day off. Demain est mon jour de congé. Il vient une fois par semaine. Il vient une fois par semaine. Il vient une fois par semaine. He comes round once a week. Il vient une fois par semaine. J'étudie la musique. J'étudie la musique. J'étudie la musique. I'm learning music. J'étudie la musique. Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. She went home. Elle est rentrée chez elle. Je ne suis pas étudiant. Je ne suis pas étudiant. Je ne suis pas étudiant. I'm not a student. Je ne suis pas étudiant. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils sont mignons. They are pretty. Ils sont mignons. Êtes-vous déjà rentré chez vous avant cette heure? Êtes-vous déjà rentré chez vous avant cette heure? Êtes-vous déjà rentré chez vous avant cette heure? Have you ever returned home before Êtes-vous déjà rentré chez vous avant 7 heures? Tu peux venir dîner ce soir? Tu peux venir dîner ce soir? Tu peux venir dîner ce soir? Can you come for dinner tonight? Tu peux venir dîner ce soir? Elle parle bien anglais. Elle parle bien anglais. Elle parle bien anglais. She is good at speaking English. Elle parle bien anglais. Elle refusa sa proposition. Elle refusa sa proposition. Elle refusa sa proposition. She refused his proposal. Elle refusa sa proposition. Pourrais-tu conduire plus lentement? Pourrais-tu conduire plus lentement? Pourrais-tu conduire plus lentement? Could you drive more slowly? Pourrais-tu conduire plus lentement? Ma femme sera heureuse de te voir également. Ma femme sera heureuse de te voir également. Ma femme sera heureuse de te voir également. My wife will be glad to see you too. Ma femme sera heureuse de te voir également. La réunion en bref était une perte de temps. La réunion en bref était une perte de temps. La réunion en bref était une perte de temps. The meeting in short was a waste of time. La réunion en bref était une perte de temps. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. They never tell a lie. Ils ne mentent jamais. Où se trouve l'entrée du musée? Où se trouve l'entrée du musée? Où se trouve l'entrée du musée? Where is the entrance to the museum? Où se trouve l'entrée du musée? Nous étions pressés. Nous étions pressés. Nous étions pressés. We were in a hurry. Nous étions pressés. Il est fou de baseball. Il est fou de baseball. Il est fou de baseball. He is crazy about baseball. Il est fou de baseball. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? May I go to the toilet? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Il était patient. Il était patient. Il était patient. Il était patient. He was patient. Il était patient. Je me suis endormi avant que mon père rentre à la maison. Je me suis endormi avant que mon père rentre à la maison. Je me suis endormi avant que mon père rentre à la maison. I fell asleep before my father came home. Je me suis endormi avant que mon père rentre à la maison. C'est un bon conducteur. C'est un bon conducteur. C'est un bon conducteur. He is good at driving. C'est un bon conducteur. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine. I'd like to see you again next week. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine. Montre-moi une autre caméra. Montre-moi une autre caméra. Montre-moi une autre caméra. Show me another camera. Montre-moi une autre caméra. Il semblait avoir été très heureux. Il semblait avoir été très heureux. Il semblait avoir été très heureux. seemed been Il semblait avoir été très heureux. Je dois prendre un peu de sommeil. Je dois prendre un peu de sommeil. Je dois prendre un peu de sommeil. I need to get some sleep. Je dois prendre un peu de sommeil. Je suis resté debout jusqu'à tard hier soir. Je suis resté debout jusqu'à tard hier soir. Je suis resté debout jusqu'à tard hier soir. I stayed up late last night. Je suis restée debout jusqu'à tard hier soir. Elle est très maquillée. Elle est très maquillée. Elle est très maquillée. She wears a lot of makeup. Elle est très maquillée. maquillée. Raconte-moi l'histoire. Raconte moi l'histoire Raconte moi l'histoire Tell me the story Raconte moi l'histoire Nous déjeunons habituellement à midi Nous déjeunons habituellement à midi Nous déjeunons habituellement à midi. We usually have lunch at noon. Nous déjeunons habituellement à midi. Les prix continuaient de monter. Les prix continuaient de monter. Les prix continuaient de monter. Prices continue Les prix continuaient de monter. Tu peux donner le livre à qui en voudra. Tu peux donner le livre à qui en voudra. Tu peux donner le livre à qui en voudra. You may give the book to whoever wants it. Tu peux donner le livre à qui en voudra. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. He has no children. Il n'a pas d'enfant. Puis-je utiliser ce vélo? Puis-je utiliser ce vélo? Puis-je utiliser ce vélo? Can I use this bike? Puis-je utiliser ce vélo? Il est revenu de Hollande en juin. Il est revenu de Hollande en juin. Il est revenu de Hollande en juin. He returned from Holland in June. Il est revenu de Hollande en juin. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Qui est cette femme? Who is that woman? Qui est cette femme? Ils m'ont salué avec un sourire. Ils m'ont salué avec un sourire. Ils m'ont salué avec un sourire. They greeted me with a smile. Ils m'ont salué avec un sourire. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Je ne peux pas m'empêcher de rire. I can't stop laughing. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Je n'ai pas de mauvaise intention. Je n'ai pas de mauvaise intention je n'ai pas de mauvaise intention. I mean no harm. je n'ai pas de mauvaise intention. un piano coûte cher. un piano coûte cher. un piano coûte cher. A piano is expensive. un piano coûte cher. Puis je vous aider? Puis je vous aider? Puis je vous aider? May I help you? Puis je vous aider? Passe-moi le sucre s'il te plaît. Passe-moi le sucre s'il te plaît. Passe-moi le sucre s'il te plaît. Please pass me the sugar. Passe-moi le sucre, s'il te plaît. Il regarde la tv. Il regarde la tv. Il regarde la tv. He is watching TV. Il regarde la tv. Vous ne réaliserez jamais ce que j'ai vécu. Vous ne réaliserez jamais ce que j'ai vécu. Vous ne réaliserez jamais ce que j'ai vécu. You will never realize what I went through. Vous ne réaliserez jamais ce que j'ai vécu. Quelqu'un joue du piano. Quelqu'un joue du piano. Quelqu'un joue du piano. Somebody is playing the piano. Quelqu'un joue du piano. J'ai laissé mon dictionnaire en bas. J'ai laissé mon dictionnaire en bas. J'ai laissé mon dictionnaire en bas. I left my dictionary downstairs. J'ai laissé mon dictionnaire en bas. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Hi, how are you? Salut, comment ça va? Paris est la capitale de la France. Paris est la capitale de la France. Paris est la capitale de la France. Paris is the capital of France. Paris est la capitale de la France. J'ai visité le village où il est né. J'ai visité le village où il est né. J'ai visité le village où il est né. I visited the village where he was born. J'ai visité le village où il est né. Mon frère travaille dans une banque. 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 Dans une banque. Il ne pleut presque jamais ici. 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 Je viens juste de le voir. Je viens juste de le voir. Je viens juste de le voir. I saw him just now. Je viens juste de le voir. Ouvrons la fenêtre. Ouvrons la fenêtre. Ouvrons la fenêtre. Let's open the window. Ouvrons la fenêtre. Je te déconseille d'y aller. Je te déconseille d'y aller. Je te déconseille d'y aller. You'd better not go there. Je te déconseille d'y aller. Nous sommes les premiers à arriver. Nous sommes les premiers à arriver. Nous sommes les premiers à arriver. We are the first to arrive. Nous sommes les premiers à arriver. Il portait un sac rempli de pommes. Il portait un sac rempli de pommes. Il portait un sac rempli de pommes. He carried a bag full of apples. Il portait un sac rempli de pommes. De qui est-il l'ami? De qui est-il l'ami? De qui est-il l'ami? Whose friend is he? De qui est-il l'ami? Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Take good care of yourself. Prends bien soin de toi. Te rends-tu à l'école en bus? Te rends-tu à l'école en bus? Te rends-tu à l'école en bus? Do you go to school by bus? Te rends-tu à l'école en bus? J'ai vu un chat courir après le chien. J'ai vu un chat courir après le chien. J'ai vu un chat courir après le chien. I saw a cat running after the dog. J'ai vu un chat courir après le chien. Où allons-nous manger? Où allons-nous manger? Où allons-nous manger? Where will we eat? Où allons-nous manger? Tu dois lui prêter attention. Tu dois lui prêter attention. Tu dois lui prêter attention. You must pay attention to him. Tu dois lui prêter attention. Je suis désolé d'entendre ça. Je suis désolé d'entendre ça. Je suis désolé d'entendre ça. I'm sorry to hear that. Je suis désolé d'entendre ça. Peu importe d'où il vient. Peu importe d'où il vient. Peu importe d'où il vient. It doesn't matter where he comes from. peu importe d'où il vient Il retira ses lunettes. Il retira ses lunettes. Il retira ses lunettes.. He took off his glasses. Il retira ses lunettes. Je dois rendre visite à mon ami à l'hôpital. Je dois rendre visite à mon ami à l'hôpital. Je dois rendre visite à mon ami à l'hôpital. Je dois rendre visite à mon ami à l'hôpital. Vous avez laissé vos phares allumés? Vous avez laissé vos phares allumés. Vous avez laissé vos phares allumés. You left your lights on. Vous avez laissé vos phares allumés. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle y aille seule. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle y aille seule. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle y aille seule. I object to her going there alone je ne suis pas d'accord pour qu'elle y aille seule aujourd'hui c'est lundi aujourd'hui c'est lundi aujourd'hui c'est lundi. it is monday today. aujourd'hui c'est lundi. Il a sa propre voiture. Il a sa propre voiture. Il a sa propre voiture. He has his own car. Il a sa propre voiture. voiture. J'aime voyager seul. J'aime voyager seul. J'aime voyager seul. I like to travel by myself. J'aime voyager seul. Mon idée est assez différente de la vôtre. Mon idée est assez différente de la vôtre. Mon idée est assez différente de la vôtre. My idea is quite different from yours. Mon idée est assez différente de la vôtre. Je joue au tennis. Je joue au tennis. Je joue au tennis. I play tennis. Je joue au tennis. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. I'm proud of you. Je suis fière de toi. Elle tapa dans la porte. Elle tapa dans la porte. Elle tapa dans la porte. She kicked the door. Elle tapa dans la porte. Il ne fume pas. Il ne fume pas. Il ne fume pas. He does not smoke. Il ne fume pas. Tom veut aller au Japon. Tom veut aller au Japon. Tom veut aller au Japon. Tom wants to go to Japan. Tom veut aller au Japon. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. You are absolutely right. Tu as parfaitement raison. Nous pensions que vous étiez mariés. Nous pensions que vous étiez mariés. Nous pensions que vous étiez mariés. We thought that you were married. Nous pensions que vous étiez mariés. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Le téléphone a sonné plusieurs fois. The telephone rang several times. Le téléphone a sonné plusieurs fois. L'école est à deux kilomètres. L'école est à deux kilomètres. L'école est, est à deux kilomètres. The school is two kilometers ahead. L'école est à deux kilomètres Vous me montrerez votre album photo Vous me montrerez votre album photo Vous me montrerez votre album photo. Will you show me your photo album? Vous me montrerez votre album photo. Cette balle est-elle la tienne ou la sienne? Cette balle est-elle la tienne ou la sienne? Cette balle est-elle la tienne ou la sienne? Is this ball yours or hers? Cette balle est-elle la tienne ou la sienne? Je vais généralement à l'école à pied. Je vais généralement à l'école à pied. Je vais généralement à l'école à pied. I usually walk to school. Je vais généralement à l'école à pied. Hier, ils sont allés au zoo en bus. Hier, ils sont allés au zoo en bus. Hier, ils sont allés au zoo en bus. They went to the zoo by bus yesterday. Hier ils sont allés au zoo en bus. C'était une nuit noire. C'était une nuit noire. C'était une nuit noire. It was a dark night. C'était une nuit noire. À quelle heure le dîner sera-t-il servi? À quelle heure le dîner sera-t-il servi? À quelle heure le dîner sera-t-il servi? What time will dinner be served? À quelle heure le dîner sera-t-il servi? Certains garçons sont entrés dans la classe. Certains garçons sont entrés dans la classe. Certains garçons sont entrés dans la classe. Some boys came into the classroom. Certains garçons sont entrés dans la classe. Mon père est décédé d'un cancer du poumon. Mon père est décédé d'un cancer du poumon. Mon père est décédé d'un cancer du poumon. My cancer. Mon père est décédé d'un cancer du poumon. Elle est maladroite. Elle est maladroite. Elle est maladroite. She is awkward. Elle est maladroite. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. I will do it myself. Je vais le faire moi-même. Quel temps fait-il à New York? Quel temps fait-il à New York? Quel temps fait-il à New York? How's the weather in New York? Quel temps fait-il à New York? C'est un bon violoniste. C'est un bon violoniste. C'est un bon violoniste. He is a good violinist. C'est un bon violoniste. Les yeux de la fille étaient remplis de larmes. Les yeux de la fille étaient remplis de larmes. Les yeux de la fille étaient remplis de larmes. The, The girl's eyes were filled with tears. Les yeux de la fille étaient remplis de larmes. Ce livre ne vaut pas le coup d'être lu. Ce livre ne vaut pas le coup d'être lu. Ce livre ne vaut pas le coup d'être lu. Ce livre ne vaut pas le coup d'être lu. Je lui ai demandé de commencer immédiatement. Je lui ai demandé de commencer immédiatement. Je lui ai demandé de commencer immédiatement. I asked him to start at once. Je lui ai demandé de commencer immédiatement. Vous avez l'air très fatigué. Vous avez l'air très fatigué. Vous avez l'air très fatigué. You look very tired. Vous avez l'air très fatigué. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire What are you going to do Qu'est-ce que tu vas faire Elle suit son frère partout où il va. Elle suit son frère partout où il va. Elle suit son frère partout où il va. She follows her brother wherever he goes. Elle suit son frère partout où il va. Merci d'avance. Merci d'avance. Merci d'avance. Thank you in advance. Merci d'avance. Je suis allé là hier. Je suis allé là hier. Je suis allé là hier. I went there yesterday. Je suis allé là, là hier. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'il dit. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'il dit. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'il dit. Don't be taken in by his words. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'il dit. Je serai bientôt de retour. Je serai bientôt de retour. Je serai bientôt de retour. I'll be back in a wink. Je serai bientôt de retour. L'avion a été en retard à cause du mauvais temps. L'avion a été en retard à cause du mauvais temps. L'avion a été en retard à cause du mauvais temps. Due to bad weather, the plane was late. L'avion a été en retard à cause du mauvais temps. Il met du miel à la place du sucre. Il met du miel à la place du sucre. Il met du miel à la place du sucre. He uses honey instead of sugar. Il met du miel à la place du sucre. sucre. Aurez-vous une autre tasse de lait? Aurez-vous une autre tasse de lait? Aurez-vous une autre tasse de lait? Will you have another cup of milk? Aurez-vous une autre tasse de lait? Sa température est normale. Sa température est normale. Sa température est normale. Its temperature is normal. Sa température est normale. Elle est sur le point de partir. Elle est sur le point de partir. Elle est sur le point de partir. She is about to leave. Elle est sur le point de partir. Pour quelle entreprise travaillez-vous? Pour quelle entreprise travaillez-vous? Pour quelle entreprise travaillez-vous? Which company do you work for? Pour quelle entreprise travaillez-vous? Ton chien m'aboie toujours dessus. Ton chien m'aboie toujours dessus. Ton chien m'aboie toujours dessus. Your dog always barks at me. Ton chien m'aboie toujours dessus. Je l'ai attendu longtemps. Je l'ai attendu longtemps. Je l'ai attendu longtemps. I waited for her for a long time. Je l'ai attendu longtemps. As-tu déjà vu un panda? As-tu déjà vu un panda? As-tu déjà vu un panda? Have you ever seen a panda? As-tu déjà vu un panda? Quelle est la différence entre A et B? Quelle est la différence entre A et B? Quelle est la différence entre A et B? What is the difference between A and B? Quelle est la différence entre A et B? Reste calme, sinon le bébé va se réveiller. Reste calme, sinon le bébé va se réveiller. Reste calme, sinon le bébé va se réveiller. Be quiet or the baby will wake up. Reste calme, sinon le bébé va se réveiller. N'avez-vous pas soif? N'avez-vous pas soif? N'avez-vous pas soif? Aren't you thirsty? N'avez-vous pas soif? Je n'aime pas parler en public. Je n'aime pas parler en public. Je n'aime pas parler en public. I don't like to speak in public. Je n'aime pas parler en public. Je viens de Tokyo. Je viens de Tokyo. Je viens de Tokyo. I'm from Tokyo. Je viens de Tokyo. Qui s'occupera de ton chien? Qui s'occupera de ton chien? Qui s'occupera de ton chien? Who will look after your dog? Qui s'occupera de ton chien? Le film a-t-il déjà commencé? Le film a-t-il déjà commencé? Le film a-t-il déjà commencé? Has the movie started yet? Le film a-t-il déjà commencé? Nous arrivâmes à matin au bureau. Nous arrivâmes à matin au bureau. Nous arrivâmes à temps au bureau. We arrived at the office on time. Nous arrivâmes à temps au bureau. Je suis toujours occupé. Je suis toujours occupé. Je suis toujours occupé. I'm still busy. Je suis toujours occupé. L'avion a rapidement disparu. L'avion a rapidement disparu. L'avion a rapidement disparu. The airplane soon went out of sight. L'avion a rapidement disparu. Prends soin de toi, s'il te plaît. Prends soin de toi, s'il te plaît. Prends soin de toi, s'il te plaît. Please take care of yourself. Prends soin de toi, s'il te plaît. J'avais faim. J'avais faim. J'avais faim. I felt hungry. J'avais faim. Il a triché à l'examen de biologie. Il a triché à l'examen de biologie. Il a triché à l'examen de biologie. on the biology exam. Il a triché à l'examen de biologie. J'aimerais que notre classe soit équipée de l'air conditionné. J'aimerais que notre classe soit équipée de l'air conditionné. J'aimerais que notre classe soit équipée de l'air conditionné. I wish our classroom were air conditioned. J'aimerais que notre classe soit équipée de l'air conditionné. J'espère que vous allez vous rétablir bientôt. J'espère que vous allez vous rétablir bientôt. J'espère que vous allez vous rétablir bientôt. I hope that you will get well soon. J'espère que vous allez vous rétablir bientôt. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Tell me what you want. Dis-moi ce que tu veux. Je veux fermer mon compte. Je veux fermer mon compte. Je veux fermer mon compte. I want to close my account. Je veux fermer mon compte. Ce sont leurs livres. Ce sont leurs livres. Ce sont leurs livres. Those are their books. Ce sont leurs livres. Vous pouvez partir si vous voulez. Vous pouvez partir si vous voulez. Vous pouvez partir si vous voulez. You can go if you want to. Vous pouvez partir si vous voulez. Il n'y a pas de fourchette. Il n'y a pas de fourchette. Il n'y a pas de fourchette. There is a fork missing. Il n'y a pas de fourchette. Vous êtes-vous bien amusé hier? Vous êtes-vous bien amusé hier? Vous êtes-vous bien amusé hier? Did you have a good time yesterday? Vous êtes-vous bien amusé hier? Connaissez-vous la raison? Connaissez-vous la raison? Connaissez-vous la raison? Do you know the reason? Connaissez-vous la raison? Pourriez-vous s'il vous plaît baisser la télé? Pourriez-vous s'il vous plaît baisser la télé? Pourriez-vous s'il vous plaît baisser la télé? Would you please turn down the TV? Pourriez-vous s'il vous plaît baisser la télé? Pourrais-tu t'arrêter de parler, je te prie? Pourrais-tu t'arrêter de parler, je te prie? Pourrais-tu t'arrêter de parler, je te prie? Would you please stop talking? Pourrais-tu t'arrêter de parler, je te prie? Jouais-tu au tennis hier matin? Jouais-tu au tennis hier matin? Jouais-tu au tennis hier matin? Were you playing tennis yesterday morning? Jouais-tu au tennis hier matin? J'ai un beau chien. J'ai un beau chien. J'ai un beau chien. J'ai un beau chien. Le temps est la chose la plus précieuse au monde. Le temps est la chose la plus précieuse au monde. Le temps est la chose la plus précieuse au monde. Time is the most precious thing. Le temps est la chose la plus précieuse au monde. Ma sœur va avoir un bébé en juin. Ma sœur va avoir un bébé en juin. Ma sœur va avoir un bébé en juin. My sister is having a baby in June. Ma sœur va avoir un bébé en juin. Ce tableau est réservé. Ce tableau est réservé. Ce tableau est réservé. This table is reserved. Ce tableau est réservé. Il est récemment décédé. Il est récemment décédé. Il est récemment décédé. He died recently. Il est récemment décédé. Il a battu le record du monde Il a battu le record du monde Il a battu le record du monde the world. Il a battu le record du monde Tu viens voir un film avec moi. Tu viens voir un film avec moi. Tu viens voir un film avec moi? Why don't you come to the movies with me? Tu viens voir un film avec moi? J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. I have many things to do. J'ai beaucoup de choses à faire. Il s'est marié avec ma sœur. Il s'est marié avec ma sœur. Il s'est marié avec ma sœur. He married my sister. Il s'est marié avec ma sœur. Le chien était en train de creuser un trou. Le chien était en train de creuser un trou. Le chien était en train de creuser un trou. The dog was digging a hole. Le chien était en train de creuser un trou Je ne suis pas allé à l'école le mois dernier Je ne suis pas allé à l'école le mois dernier Je ne suis pas allé à l'école le mois dernier. I didn't go to school last month. Je ne suis pas allé à l'école le mois dernier. Le temps est généralement chaud en juillet. Le temps est généralement chaud en juillet. Le temps est généralement chaud en juillet. The weather is usually hot in July. Le temps est généralement chaud en juillet. Je ne peux pas supporter le bruit. Je ne peux pas supporter le bruit. Je ne peux pas supporter le bruit. I can't stand the noise. Je ne peux pas supporter le bruit. Je ne peux pas y aller, ni ne le veux. Je ne peux pas y aller, ni ne le veux. Je ne peux pas y aller, ni ne le veux. I can't go, nor do I want to. Je ne peux pas y aller, ni ne le veux. Laisse-moi le voir. Laisse-moi le voir. Laisse-moi le voir. Let me see it. Laisse-moi le voir. Êtes-vous déjà allé en Afrique Êtes-vous déjà allé en Afrique Êtes-vous déjà allé en Afrique Have you ever been to Africa? Êtes-vous déjà allé en Afrique? Elle est un très bon professeur. Elle est un très bon professeur. Elle est un très bon professeur. She is a very good teacher. Elle est un très bon professeur. Il ne connaît pas l'anglais et encore moins le français Il ne connaît pas l'anglais et encore moins le français Il ne connaît pas l'anglais et encore moins le français. He does not know English much. Il ne connaît pas l'anglais et encore moins le français Elle est allée de Londres à Paris. Elle est allée de Londres à Paris. Elle est allée de Londres à Paris. She went from London to Paris. Elle est allée de Londres à Paris. Le frein n'a pas fonctionné. Le frein n'a pas fonctionné. Le frein n'a pas fonctionné. The brake didn't work. Le frein n'a pas fonctionné. Tu as l'air malade. Tu as l'air malade. Tu as l'air malade. You look sick. Tu as l'air malade. Il a l'air de faire bon dehors. Il a l'air de faire bon dehors. Il a l'air de faire bon dehors. It seems warm outside. Il a l'air de faire bon dehors. Il ne semble pas être américain. Il ne semble pas être américain. Il ne semble pas être américain. He doesn't seem to be an American. Il ne semble pas être américain. Mon estomac grogne. Mon estomac grogne. Mon estomac grogne. My stomach is growling. Mon estomac grogne. Sa tante a l'air jeune. Sa tante a l'air jeune. Sa tante a l'air jeune. His aunt looks young. Sa tante a l'air jeune. Il était assis entre Marie et Tom. Il était assis entre Marie et Tom. Il était assis entre Marie et Tom. He was sitting between Mary and Tom. Il était assis entre Marie et Tom. Quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle heure est-il J'adore cette photo. J'adore cette photo. J'adore cette photo. I love this picture. J'adore cette photo. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. I will come with you. Je vais vous accompagner. Regarde si le gaz est coupé. Regarde si le gaz est coupé. Regarde si le gaz est coupé. See if the gas is turned off. Regarde si le gaz est coupé. Il courut aussi vite qu'il put il courut aussi vite qu'il put il courut aussi vite qu'il put He ran as fast as he could il courut aussi vite qu'il put je joue aux jeux vidéo je joue aux jeux vidéo je joue aux jeux vidéo I play video games je joue aux jeux vidéo la nourriture commence à faire froid la nourriture commence à faire froid la nourriture commence à faire froid the food is getting cold la nourriture commence à faire froid, froid. puis-je te demander quelque chose? Puis-je te demander quelque chose? Puis-je te demander quelque chose? May I ask you something? Puis-je te demander quelque chose? Puis-je l'essayer? Puis-je l'essayer? Puis-je l'essayer? May I try it on? Puis-je l'essayer? Il avait promis de venir, mais il n'est pas venu. Il avait promis de venir, mais il n'est pas venu. Il avait promis de venir, mais il n'est pas venu. He promised to come, but he didn't come. Il avait promis de venir, mais il n'est pas venu. Le tissu noir absorbe la lumière. Le tissu noir absorbe la lumière. Le tissu noir absorbe la lumière. Black cloth absorbe light. Le tissu noir absorbe la lumière. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. This makes no sense. Cela n'a aucun sens. Je parle un peu japonais. Je parle un peu japonais. Je parle un peu japonais. I speak a little Japanese. Je parle un peu japonais. Puis-je aider? Puis-je aider? Puis-je aider? Can I help? Puis-je aider? Un moustique vient de me piquer. Un moustique vient de me piquer. Un moustique vient de me piquer. A mosquito just bit me. un moustique vient de me piquer Il a marché à la maison. Il a marché à la maison. Il a marché à la maison. He walked home. il a marché à la maison Le gamin a été blessé. Le gamin a été blessé. Le gamin a été blessé. The kid got hurt. Le gamin a été blessé. Venez chez moi, je vous prie. Venez chez moi, je vous prie. Venez chez moi, je vous prie. Please come to my house. Venez chez moi, je vous prie. Il était occupé hier après-midi. Il était occupé hier après-midi. Il était occupé hier après-midi. He was busy yesterday afternoon. Il était occupé hier après-midi. Je me réveillais d'un rêve. Je me réveillais d'un rêve. Je me réveillais d'un rêve. I awoke from a dream. Je me réveillais d'un rêve. Tu peux me compter dans le nombre. Tu peux me compter dans le nombre. Tu peux me compter dans le nombre. Count me in. Tu peux me compter dans le nombre. Elle vit assez près d'ici. Elle vit assez près d'ici. Elle vit assez près d'ici. She lives quite close by. Elle vit assez près d'ici. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. I don't feel like eating out this evening. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Mon vélo est ici. Mon vélo est ici. Mon vélo est ici. Here is my bicycle. Mon vélo est ici. Je n'aime pas cette veste. Je n'aime pas cette veste. Je n'aime pas cette veste. I don't like this jacket. Je n'aime pas cette veste. Je suis allé à Boston en train. Je suis allé à Boston en train. Je suis allé à Boston en train. I went to Boston by train. Je suis allé à Boston en train. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Il s'est fâché. He got angry. Il s'est fâché. Il présenta ses excuses. Il présenta ses excuses. Il présenta ses excuses. He made an apology. Il présenta ses excuses. Il a tort à l'évidence. Il a tort à l'évidence. Il a tort à l'évidence. Obviously, he is wrong. Il a tort à l'évidence. Quel malchanceux je suis. Quel malchanceux je suis. Quel malchanceux je suis. How unlucky I am. Quel malchanceux je suis. Je n'aurais pas dû me lever si tôt. Je n'aurais pas dû me lever si tôt. Je n'aurais pas dû me lever si tôt. I shouldn't have gotten up so early. Je n'aurais pas dû me lever si tôt. Ne t'arrête pas ici. Ne t'arrête pas ici. Ne t'arrête pas ici. Don't stop here. Ne t'arrête pas ici. Mon père était occupé. Mon père était occupé. Mon père était occupé. My father was busy. Mon père était occupé. Le travail est en cours. Le travail est en cours. Le travail est en cours. The work is now in progress. Le travail est en cours. Il y a une paire de ciseaux sur le bureau. Il y a une paire de ciseaux sur le bureau. Il y a une paire de ciseaux sur le bureau. There is a pair of scissors on the desk. Il y a une paire de ciseaux sur le bureau. Ne me demandez pas d'argent. Ne me demandez pas d'argent. Ne me demandez pas d'argent. Don't ask me for money. Ne me demandez pas d'argent. Venez nous aider. Venez nous aider. Venez nous aider. Come and help us. Venez nous aider. Veux-tu une autre pomme? Veux-tu une autre pomme? Veux-tu une autre pomme? Would you like another apple? Veux-tu une autre pomme? Ce pont est tout sauf sûr. Ce pont est tout sauf sûr. Ce pont est tout sauf sûr. That bridge is anything but safe. Ce pont est tout sauf sûr. Je sais monter à cheval. Je sais monter à cheval. Je sais monter à cheval. I can ride a horse. Je sais monter à cheval. Ils ont des cours d'anglais trois fois par semaine. Ils ont des cours d'anglais trois fois par semaine. Ils ont des cours d'anglais trois fois par semaine. They have English lessons times a week. Ils ont des cours d'anglais trois fois par semaine. Il revient de Sydney aujourd'hui. Il revient de Sydney aujourd'hui. Il revient de Sydney aujourd'hui. He comes back from Sydney today. Il revient de Sydney aujourd'hui. La visite du nouveau musée vaut le coup. La visite du nouveau musée vaut le coup. La visite du nouveau musée vaut le coup. The new museum is worth visiting. La visite du nouveau musée vaut le coup. Mange tout. Mange tout. Mange tout. Eat everything. Mange tout. Ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. They have their own troubles. Ils ont leurs propres problèmes. S'il te plaît, passe-moi le beurre. S'il te plaît, passe-moi le beurre. S'il te plaît, passe-moi le beurre. Please pass me the butter. S'il te plaît, passe-moi le beurre. Elle a bourlingué partout dans le monde. Elle a bourlingué partout dans le monde. Elle a bourlingué partout dans le monde. She traveled all over the world. Elle a bourlingué partout dans le monde. J'aimerais envoyer ce colis au Japon. J'aimerais envoyer ce colis au Japon. J'aimerais envoyer ce colis au Japon. I'd like to send this package to Japan. J'aimerais envoyer ce colis au Japon. Il a ri malgré lui. Il a, Il a ri malgré lui. Il a ri malgré lui. He laughed in spite of himself. Il a ri malgré lui. Ne t'en fais pas à propos de ça. Ne t'en fais pas à propos de ça. Ne t'en fais pas à propos de ça. Don't worry about that. Ne t'en fais pas à propos de ça. J'ai eu la jambe droite blessée dans l'accident. J'ai eu la jambe droite blessée dans l'accident. J'ai eu la jambe droite blessée dans l'accident. I got my right leg hurt in the accident. J'ai eu la jambe droite blessée dans l'accident. Puis-je emprunter votre parapluie? Puis-je emprunter votre parapluie? Puis-je emprunter votre parapluie? Can I borrow your umbrella? Puis-je emprunter votre parapluie? C'est le 3 octobre. C'est le 3 octobre. C'est le 3 octobre. It's the 3rd of October. C'est le 3 octobre. Il fut très heureux. Il fut très heureux. Il fut très heureux. He was very happy. Il fut très heureux. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison. We moved into a new house. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Je souhaite envoyer cette lettre au Japon. Je souhaite envoyer cette lettre au Japon. Je souhaite envoyer cette lettre au Japon. I want to send this letter to Japan. Je souhaite envoyer cette lettre au Japon. Il va souvent à Tokyo. Il va souvent à Tokyo. Il va souvent à Tokyo. He often goes to Tokyo. Il va souvent à Tokyo. Il écrit des livres. Il écrit des livres. Il écrit des livres. He writes books. Il écrit des livres. Je ne suis pas occupé. Je ne suis pas occupé. Je ne suis pas occupé. I'm not busy. Je ne suis pas occupé. Vous et moi avons quelque chose en commun. Vous et moi avons quelque chose en commun. Vous et moi avons quelque chose en commun. You and I have in Vous et moi avons quelque chose en commun. Celui-ci, c'est le chien de Marie. Celui-ci, c'est le chien de Marie. Celui-ci, c'est le chien de Marie. This is Mary's dog. Celui-ci, c'est le chien de Marie. Elle court plus vite que moi. Elle court plus vite que moi. Elle court plus vite que moi. She runs faster than I do. Elle court plus vite que moi. Elle court plus vite que moi. Je prends généralement un bain avant d'aller au lit. Je prends généralement un bain avant d'aller au lit. Je prends généralement un bain avant d'aller au lit. I usually take a bath before going to bed. Je prends généralement un bain avant d'aller au lit. Merci pour aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui. Thank you for today. Merci pour aujourd'hui. La fille ressemblait à sa mère. La fille ressemblait à sa mère. La fille ressemblait à sa mère. The girl resembled her mother. La fille ressemblait à sa mère. Je vais commencer. Je vais commencer. Je vais commencer. I am going to start. Je vais commencer. Tiens-toi à la corde. Tiens-toi à la corde. Tiens-toi à la corde. Hold on to the rope. Tiens-toi à la corde. Je suis en train d'attendre le bus. Je suis en train d'attendre le bus. Je suis en train d'attendre le bus. I'm waiting for the bus. Je suis en train d'attendre le bus. Il arrêta de leur parler. Il arrêta de leur parler. Il arrêta de leur parler. He stopped to talk Il arrêta de leur parler. Elle est allée à contre par elle-même. Elle est allée à contre-cœur par elle-même. Elle est allée à contre-cœur par elle-même. She reluctantly went by herself. Elle est allée à contre-cœur par elle-même. Avez-vous entendu quelqu'un sonner à la porte Avez-vous entendu quelqu'un sonner à la porte Avez-vous entendu quelqu'un sonner à la porte? Did you hear someone ring the doorbell? Avez-vous entendu quelqu'un sonner à la porte? Quand je suis rentré à la maison, John étudiait. Quand je suis rentré à la maison, John étudiait. Quand je suis rentré à la maison, John étudiait. When I came home, John was studying. Quand je suis rentré à la maison, John étudiait. Avez-vous un peu de temps? Avez-vous un peu de temps? Avez-vous un peu de temps? Do you have some time? Avez-vous un peu de temps? Sais-tu quand elle viendra? Sais-tu quand elle viendra? Sais-tu quand elle viendra? Do you know when she will come? Sais-tu quand elle viendra? C'est ce que nous voulons savoir. 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 Je n'aime pas cette montre. Je n'aime pas cette montre. Je n'aime pas cette montre. I don't like this watch. Je n'aime pas cette montre. Je Ils vivent dans cette ville depuis dix ans. Ils vivent dans cette ville depuis dix ans. Ils vivent dans cette ville depuis dix ans. They have lived in this town for ten years. Ils vivent dans cette ville depuis dix ans. ans. As-tu vu mes lunettes quelque part? As-tu vu mes lunettes quelque part? As-tu vu mes lunettes quelque part? As-tu As vu mes lunettes quelque part? Mes articulations me font mal. Mes articulations me font mal. Mes articulations me font mal. My joints ache. Mes articulations me font mal. Ils ne sont pas intéressés à économiser de l'argent. Ils ne sont pas intéressés à économiser de l'argent. Ils ne sont pas intéressés à économiser de l'argent. They are not interested in saving money. Ils ne sont pas intéressés à économiser de l'argent. Pouvez-vous résoudre ce problème? Pouvez-vous résoudre ce problème? Pouvez-vous résoudre ce problème? Can you do this problem? Pouvez-vous résoudre ce problème? Il neigera demain. Il neigera demain. Il neigera demain. It'll snow tomorrow. Il neigera demain. J'aimerais avoir ma propre maison. J'aimerais avoir ma propre maison. J'aimerais avoir ma propre maison. I wish I had a house of my own. J'aimerais avoir ma propre maison. Vous ne devriez vraiment pas utiliser des logiciels piratés. Vous ne devriez vraiment pas utiliser des logiciels piratés. Vous ne devriez vraiment pas utiliser des logiciels piratés. You really shouldn't use pirated software. Vous ne devriez vraiment pas utiliser des logiciels piratés. Tu peux aller à la gare bus Tu peux aller à la gare en bus Tu peux aller à la gare en bus You can go to the station by bus Tu peux aller à la gare en bus J'ai envie que tu viennes avec moi J'ai envie que tu viennes avec moi J'ai envie que tu viennes avec moi. Like J'ai envie que tu viennes avec moi. C'est une longue distance d'ici à l'école. 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 Êtes-vous libre cet après-midi? Êtes-vous libre cet après-midi? Êtes-vous libre cet après-midi? Are you free this afternoon? Êtes-vous libre cet après-midi? Qu'y a-t-il dans la boîte? Qu'y a-t-il dans la boîte? Qu'y a-t-il dans la boîte? What's in the box? Qu'y a-t-il dans la boîte? Nous avons connu un été très chaud cette année. Nous avons connu un été très chaud cette année. Nous avons connu un été très chaud cette année. We had a very hot summer this year. Nous avons connu un été très chaud cette année. Voudriez-vous bien m'apporter un oreiller et une couverture, je vous prie. Voudriez-vous bien m'apporter un oreiller et une couverture, je vous prie. Voudriez vous bien m'apporter un oreiller et une couverture, je vous prie. Could you bring me a pillow and blanket, please? Voudriez vous bien m'apporter un oreiller et une couverture, je vous prie. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. I can't help it Je ne peux pas m'en empêcher Il a décrit la scène en détail Il a décrit la scène en détail. Il a décrit la scène en détail. Il a décrit la scène en détail. Ce magasin a beaucoup de clients. Ce magasin a beaucoup de clients. Ce magasin a beaucoup de clients. That shop has many customers. Ce magasin a beaucoup de clients. Je t'appellerai plus tard dans la journée. Je t'appellerai plus tard dans la journée. Je t'appellerai plus tard dans la journée. I'll call you later today. Je t'appellerai plus tard dans la journée. Il revint d'Amérique. Il revint d'Amérique. Il revint d'Amérique. He came back from America. Il revint d'Amérique. Je suis terriblement désolé. Je suis terriblement désolé. Je suis terriblement désolé. I'm terribly sorry. Je suis terriblement désolé. Les prix ont bondi. Les prix ont bondi. Les prix ont bondi. Prices have jumped. Les prix ont bondi. Ma chambre est exposée à l'est. Ma chambre est exposée à l'est. Ma chambre est exposée à l'est. My room faces east. Ma chambre est exposée à l'est. Je dois rentrer à la maison d'ici une semaine. Je dois rentrer à la maison d'ici une semaine. Je dois rentrer à la maison d'ici une semaine. I must return home within a week. Je dois rentrer à la maison d'ici une semaine. Ça ressemble à de la neige. Ça ressemble à de la neige. Ça ressemble à de la neige. It looks like snow. Ça ressemble à de la neige. Je suis si heureux. Je suis si heureux. Je suis si heureux. I'm so happy. Je suis si heureux. J'aimerais appeler mes parents. J'aimerais appeler mes parents. J'aimerais appeler mes parents. I'd like to call my parents. J'aimerais appeler mes parents. Au fait, d'où es-tu? Au fait, d'où es-tu? Au fait, d'où es-tu? By the way, where are you from? Au fait, d'où es-tu? La boîte est en bois. La boîte est en bois. La boîte est en bois. The box is made of wood. La boîte est en bois. Le temps file comme une flèche. Le temps file comme une flèche. Le temps file comme une flèche. Time flies like an arrow. Le temps file comme une flèche. Il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. He didn't answer my question. Il n'a pas répondu à ma question. Marie peut bien danser. Marie peut bien danser. Marie peut bien danser. Mary can dance well. Marie peut bien danser. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il est encore jeune. still young. Il est encore jeune. C'est la chambre de qui C'est la chambre de qui C'est la chambre de qui? Whose room is this? C'est la chambre de qui? Il a décidé d'aller à l'étranger. Il a décidé d'aller à l'étranger. Il a décidé d'aller à l'étranger. He decided to go abroad. Il a décidé d'aller à l'étranger. Nous aurons un examen aujourd'hui. Nous aurons un examen aujourd'hui. Nous aurons un examen aujourd'hui. We're going to have a test today. Nous aurons un examen aujourd'hui. Mon travail est fini. Mon travail est fini. Mon travail est fini. My work is finished. Mon travail est fini. Je vais acheter une nouvelle voiture. Je vais acheter une nouvelle voiture. Je vais acheter une nouvelle voiture. I am going to buy a new car. Je vais acheter une nouvelle voiture. Je vais Ce genre de robe est maintenant à la mode. Ce genre de robe est maintenant à la mode. Ce genre de robe est maintenant à la mode. That kind of dress is now in fashion. Ce genre de robe est maintenant à la mode. Personne ne pourrait résoudre le problème. Personne ne pourrait résoudre le problème Personne ne pourrait résoudre le problème. No. One could solve the problem. Personne ne pourrait résoudre le problème Le fromage est fait avec du lait Le fromage est fait avec du lait. Le fromage est fait avec du lait cheese is made from milk. le fromage est fait avec du lait. je sais bien nager. je sais bien nager. je sais bien nager. i can swim well. je sais bien nager. ce pont a été construit il y a deux ans. ce pont a été construit il y a deux ans ce pont a été construit il y a deux ans this bridge was built two years ago ce pont a été construit il y a deux ans as-tu fini de lire le roman as-tu fini de lire le roman as-tu fini de lire le roman have you finished reading the novel as tu fini de lire le roman elle a des fleurs à la main elle a des fleurs à la main elle a des fleurs à la main she has flowers in her hand elle a des fleurs à la main Je lui ai dit de venir. Je lui ai dit de venir. Je lui ai dit de venir. I told him to come. Je lui ai dit de venir. Il m'a expliqué l'affaire. Il m'a expliqué l'affaire. Il m'a expliqué l'affaire. He explained the matter to me, il m'a expliqué l'affaire Elle passa plusieurs jours à l'hôtel. Elle passa plusieurs jours à l'hôtel. Elle passa plusieurs jours à l'hôtel. She stayed at the hotel for several days. Elle passa plusieurs jours à l'hôtel. Tu dois étudier dur. Tu dois étudier dur. Tu dois étudier dur. You must study hard. Tu dois étudier dur. Elle a parlé comme si rien ne s'était passé. Elle a parlé comme si rien ne s'était passé. Elle a parlé comme si rien ne s'était passé. She spoke as though nothing had happened. Elle a parlé comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. I can't sleep. Je ne peux pas dormir. Vous avez fait un choix judicieux. Vous avez fait un choix judicieux. Vous avez fait un choix judicieux. You made a wise choice. Vous avez fait un choix judicieux. La fille ressemble à sa mère. La fille ressemble à sa mère. La fille ressemble à sa mère. The girl resembles her mother. La fille ressemble à sa mère. Je te le donnerai. Je te le donnerai. Je te le donnerai. I will give it to you. Je te le donnerai. Tom va à l'école à pied. Tom va à l'école à pied. Tom va à l'école à pied. Tom goes to school on foot. Tom va à l'école à pied. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. That's his specialty. C'est sa spécialité. Il se lève tôt. Il se lève tôt. Il se lève tôt. He wakes up early. Il se lève tôt. Ce gateau est est sucré. Ce gâteau-ci est sucré. Ce gâteau-ci est sucré. This cake is sweet. Ce gâteau-ci est sucré. Je commence à peine. Je commence à peine. Je commence à peine. I'm just beginning. Je commence à peine. De quoi parlais-tu De quoi parlais-tu De quoi parlais-tu What did you talk about? De quoi parlais-tu J'ai un visa de tourisme. J'ai un visa de tourisme. J'ai un visa de tourisme. I have a tourist visa. J'ai un visa de tourisme. Lavez-vous le visage. Lavez-vous le visage. Lavez-vous le visage. Wash your face. Lavez-vous le visage. Les fruits portent des graines. Les fruits portent des graines. Les fruits portent des graines. Fruits have seeds in them. Les fruits portent des graines. Il cultive, Il cultive du riz. Il cultive du riz. Il cultive du riz. He grows rice. Il cultive du riz. Une dinde est un peu plus grosse qu'un poulet. Une dinde est un peu plus grosse qu'un poulet. Une dinde est un peu plus grosse qu'un poulet. A turkey is a little bigger than a chicken. Une dinde est un peu plus grosse qu'un poulet. Avez-vous déjà vu la tour de Tokyo? Avez-vous déjà vu la tour de Tokyo? Avez-vous déjà vu la tour de Tokyo? Have you ever seen Tokyo Tower? Avez-vous déjà vu la tour de Tokyo? Le piment m'a brûlé la langue. Le piment m'a brûlé la langue. Le piment m'a brûlé la langue. The chili burnt my tongue. Le piment m'a brûlé la langue. Êtes-vous nouveau ici? Êtes-vous nouveau ici? Êtes-vous nouveau ici? Are you new here? Êtes-vous nouveau ici? Tom a finalement arrêté de fumer. Tom a finalement arrêté de fumer. Tom a finalement arrêté de fumer. Tom, finally gave up smoking. Tom a finalement arrêté de fumer. Il ne restait rien dans le réfrigérateur. Il ne restait rien dans le réfrigérateur. Il ne restait rien dans le réfrigérateur. Nothing remained in the refrigerator. Il ne restait rien dans le réfrigérateur. Son anglais est assez bon. Son anglais est assez bon. Son anglais est assez bon. His English is quite good. Son anglais est assez bon. Tu as de nouveau commis exactement la même erreur. Tu as de nouveau commis exactement la même erreur. Tu as de nouveau commis exactement la même erreur. You have made the very same mistake again. Tu as de nouveau commis exactement la même erreur. Garde ta chambre propre. Garde ta chambre propre. Garde ta chambre propre. Keep your room clean. Garde ta chambre propre. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. I have an idea. J'ai une idée. Elle s'est levée à sept heures du matin. Elle s'est levée à sept heures du matin. Elle s'est levée à sept heures du matin. She got up at seven in the morning. Elle s'est levée à sept heures du matin Il est toujours à court d'argent Il est toujours à court d'argent Il est toujours à court d'argent. He's always short of money. Il est toujours à court d'argent. quand est-ce que ça vous arrangera quand est-ce que ça vous arrangera quand est-ce que ça vous arrangera when would it be convenient for you quand est-ce que ça vous arrangera je suis retenu au bureau. je suis retenu au bureau. Je suis retenue au bureau. I am tied up at the office. Je suis retenue au bureau. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. I don't like her. Je ne l'aime pas. C'est un petit cadeau pour vous. C'est un petit cadeau pour vous. C'est un petit cadeau pour vous. This is a little gift for you. C'est un petit cadeau pour vous. Il fait terriblement chaud aujourd'hui. Il fait terriblement chaud aujourd'hui. Il fait terriblement chaud aujourd'hui. It's awfully hot today. Il fait terriblement chaud aujourd'hui. J'ai perdu ma montre. J'ai perdu ma montre. J'ai perdu ma montre. I lost my watch. J'ai perdu ma montre. j'ai mangé un hamburger et j'en ai commandé encore un j'ai mangé un hamburger et j'en ai commandé encore un j'ai mangé un hamburger et j'en ai commandé encore un j'ai mangé un hamburger et j'en ai commandé encore un j'arrive J'arrive. J'arrive. I'm coming. J'arrive. Qui a cassé cette fenêtre? Qui a cassé cette fenêtre? Qui a cassé cette fenêtre? Who broke this window? Qui a cassé cette fenêtre? Que prends-tu? Que prends-tu? Que prends-tu? What are you going to have? Que prends-tu? Il a toujours été gentil avec moi. Il a toujours été gentil avec moi. Il a toujours été gentil avec moi. He's always been kind to me. il a toujours été gentil avec moi Voulez-vous rester à la maison? Voulez-vous rester à la maison? Voulez-vous rester à la maison? Will you stay at home? Voulez-vous rester à la maison? Nous avons déjà fait notre travail. Nous avons déjà fait notre travail. Nous avons déjà fait notre travail. We've already done our work. Nous avons déjà fait notre travail. Quel est le nom de ta fille Quel est le nom de ta fille quel est le nom de ta fille? What's your daughter's name? Quel est le nom de ta fille? Pourquoi étiez-vous absent hier? Pourquoi étiez-vous absent hier? Pourquoi étiez-vous absent hier? Why were you absent yesterday? Pourquoi étiez-vous absent hier? Le garçon s'est enfui. Le garçon s'est enfui. Le garçon s'est enfui. The boy ran away. Le garçon s'est enfui. C'est leur maison. C'est leur maison. C'est leur maison. This is their house. C'est leur maison. Il a surpassé beaucoup de difficultés. Il a surpassé beaucoup de difficultés. Il a surpassé beaucoup de difficultés. He overcame many difficulties. Il a surpassé beaucoup de difficultés. Tout le monde aime la musique. Tout le monde aime la musique. Tout le monde aime la musique. Everybody loves music. Tout le monde aime la musique. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. I can't do it. Je n'y arrive pas. À qui est ce crayon? À qui est ce crayon? À qui est ce crayon? Whose pencil is this? À qui est ce crayon? Son but est de devenir médecin. Son but est de devenir médecin. Son but est de devenir médecin. His aim is to become a doctor. Son but est de devenir médecin. Il y a une orange sur la table. Il y a une orange sur la table. Il y a une orange sur la table. There is an orange on the table. Il y a une orange sur la table. Une majorité a voté contre le projet de loi. Une majorité a voté contre le projet de loi. Une majorité a voté contre le projet de loi. A majority voted against the bill. Une majorité a voté contre le projet de loi. Travaillez-vous? 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 Are you working? Travaillez-vous? Les prévisions météo ne sont pas nécessairement fiables. Les prévisions météo ne sont pas nécessairement fiables. Les prévisions météo ne sont pas nécessairement fiables. The weather forecast is not necessarily reliable. Les prévisions météo ne sont pas nécessairement fiables. Je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux de vous voir. I'm very glad to see you. Je suis très heureux de vous voir. Qui a brisé le vase? Qui a brisé le vase? Qui a brisé le vase? Who broke the vase? Qui a brisé le vase? N'oublie pas de m'écrire. N'oublie pas de m'écrire. N'oublie pas de m'écrire. Don't forget to write to me. N'oublie pas de m'écrire. Veuillez fermer la porte doucement. Veuillez fermer la porte doucement. Veuillez fermer la porte doucement. Please close the door quietly. Veuillez fermer la porte doucement. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Nothing is missing. Il ne manque rien. Quelle belle fleur! Quelle belle fleur! Quelle belle fleur! What a beautiful flower! Quelle belle fleur! Avez-vous appelé votre ami au Canada? Avez-vous appelé votre ami au Canada? Avez-vous appelé votre ami au Canada? Did you call your friend in Canada? Avez-vous appelé votre ami au Canada? Sa réponse est différente de la mienne. Sa réponse est différente de la mienne. Sa réponse est différente de la mienne. His answer is different from mine. Sa réponse est différente de la mienne. Hier le temps était pluvieux. Hier le temps était pluvieux. Hier le temps était pluvieux. It was raining yesterday. Hier le temps était pluvieux. C'est le livre dont je t'ai parlé. C'est le livre dont je t'ai parlé. C'est le livre dont je t'ai parlé. This is the book that I told you about. C'est le livre dont je t'ai parlé. Il est très en colère contre toi. Il est très en colère contre toi. Il est très en colère contre toi. He's very angry with you. Il est très en colère contre toi. Je prends du poids. Je prends du poids. Je prends du poids. I'm gaining weight. Je prends du poids. Je suis heureux de vous voir. Je suis heureux de vous voir. Je suis heureux de vous voir. I'm glad to see you. Je suis heureux de vous voir. Lis après moi. Lis après moi. Lis après moi. Read after me. Lis après moi. Tes rêves sont devenus réalité. Tes rêves sont devenus réalité. Tes rêves sont devenus réalité. Your dreams have come true. Tes rêves sont devenus réalité. Je suis fatigué maintenant. Je suis fatigué maintenant. Je suis fatigué maintenant. I'm tired now. Je suis fatigué maintenant. Parlez-moi de cela. Parlez-moi de cela. Parlez-moi de cela. Parlez-moi de cela. Ajoutez un peu de sucre et de la crème. Ajoutez un peu de sucre et de la crème. Ajoutez un peu de sucre et de la crème. Add a little sugar and cream. Ajoutez un peu de sucre et de la crème. Elle me laissa une note. Elle me laissa une note. Elle me laissa une note. She left me a note. Elle me laissa une note. Tom aime jouer au baseball. Tom aime jouer au baseball. Tom aime jouer au baseball. Tom likes to play baseball. Tom aime jouer au baseball. J'ai échoué aux examens. J'ai échoué aux examens. J'ai échoué aux examens. I failed the tests. J'ai échoué aux examens. À quoi t'intéresses-tu? À quoi t'intéresses-tu? À quoi t'intéresses-tu? What are you interested in? À quoi t'intéresses-tu? Nous avons déjeuné à midi. 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 Choisis entre les deux. Choisis entre les deux. Choisis entre les deux. Choose between these two. Choisis entre les deux. La physique est ma matière favorite. La physique est ma matière favorite. La physique est ma matière favorite. Physics is my favorite subject. La physique est ma matière favorite. Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? tu viens avec moi are you coming with me tu viens avec moi je veux te parler. je veux te parler. je veux te parler. i want to talk to you. je veux te parler. mon rêve est d'être pompier. Mon rêve est d'être pompier. Mon rêve est d'être pompier. My dream is to be a firefighter. Mon rêve est d'être pompier. C'est à toi de chanter. C'est à toi de chanter. C'est à toi de chanter. It's your turn to sing. C'est à toi de chanter. J'ai attrapé trois poissons hier. J'ai attrapé trois poissons hier. J'ai attrapé trois poissons hier. I caught three fish yesterday. J'ai attrapé trois poissons hier. Je suis arrivé juste à temps pour l'avion. Je suis arrivé juste à temps pour l'avion. Je suis arrivé juste à temps pour l'avion. I arrived just in time for the plane. Je suis arrivé juste à temps pour l'avion. Aimez-vous les chats noirs Aimez-vous les chats noirs Aimez-vous les chats noirs Do you like black cats? Aimez-vous les chats noirs? Je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. I'll tell you a secret. Je vais te dire un secret. L'avion survola la montagne. L'avion survola la montagne. L'avion survola la montagne. The plane flew over the mountain. L'avion survola la montagne. Je serai avec toi dans une seconde. Je serai avec toi dans une seconde. Je serai avec toi dans une seconde. I'll be with you in a second. Je serai avec toi dans une seconde. Il n'avait rien dans sa main. Il n'avait rien dans sa main. Il n'avait rien dans sa main. His hands were empty. Il n'avait rien dans sa main. Cette pièce n'est pas très ensoleillée. Cette pièce n'est pas très ensoleillée. Cette pièce n'est pas très ensoleillée. This room doesn't get a lot of sun. Cette pièce n'est pas très ensoleillée. L'île est chaude toute l'année. L'île est chaude toute l'année. L'île est chaude toute l'année. The island is warm all year. L'île est chaude toute l'année. Une éponge absorbe l'eau. Une éponge absorbe l'eau. Une éponge absorbe l'eau. A sponge absorbs water. Une éponge absorbe l'eau. Es-tu sorti hier soir? Es-tu sorti hier soir? Es-tu sorti hier soir? Were you out last night? Es-tu sorti hier soir? Fais une copie de ce rapport. Fais une copie de ce rapport. Fais une copie de ce rapport. Make a copy of this report. Fais une copie de ce rapport. Est-il enseignant? Est-il enseignant? Est-il enseignant? Is he a teacher? Est-il enseignant? Veux-tu m'appeler ce soir? Veux-tu m'appeler ce soir? Veux-tu m'appeler ce soir? Will you please call me this evening? Veux-tu m'appeler ce soir? Y a-t-il un supermarché près d'ici? Y a-t-il un supermarché près d'ici? y a-t-il un supermarché près d'ici is there a supermarket near here y a-t-il un supermarché près d'ici viens me voir. viens me voir. viens me voir. come and see me. viens me voir. Elle ne, Elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager. She can't swim. Elle ne sait pas nager. Je n'ai pas encore fini mes devoirs. Je n'ai pas encore fini mes devoirs. Je n'ai pas encore fini mes devoirs. I haven't finished my homework yet. Je n'ai pas encore fini mes devoirs. C'est le plus gros chat que j'ai jamais vu. C'est le plus gros chat que j'ai jamais vu. C'est le plus gros chat que j'ai jamais vu. This is the biggest cat that I've ever seen. C'est le plus gros chat que j'ai jamais vu. Je l'ai mis dans le tiroir. 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 Je suis content. Je suis content. Je suis content. I am happy. Je suis content. Il est encore ici. Il est encore ici. Il est encore ici. He is still here. Il est encore ici. Je veux conduire. Je veux conduire. Je veux conduire. I want to drive. Je veux conduire. Ce sont mes camarades de classe. Ce sont mes camarades de classe. Ce sont mes camarades de classe. They are my classmates. Ce sont mes camarades de classe. J'aimerais voir votre sœur. J'aimerais voir votre sœur. J'aimerais voir votre sœur. I'd like to see your sister. J'aimerais voir votre sœur. Il semble être honnête. Il semble être honnête. Il semble être honnête. He seems honest. Il semble être honnête. Est-il votre enseignant Est-il votre enseignant Est-il votre enseignant est-il votre enseignant? Il a étudié pendant deux heures. Il a étudié pendant deux heures. Il a étudié pendant deux heures. He has been studying for two hours. Il a étudié pendant deux heures. Un cheval court vite. Un cheval court vite. Un cheval court vite. A horse runs quickly. Un cheval court vite. Ce chapeau est à moi. Ce chapeau est à moi. Ce chapeau est à moi this hat is mine ce chapeau est à moi il est en train de manger il est en train de manger il est en train de manger he is eating il est en train de manger ce livre n'est pas intéressant du tout Ce livre n'est pas intéressant du tout. Ce livre n'est pas intéressant du tout. This book isn't interesting at all. Ce livre n'est pas intéressant du tout. Il lui a demandé si elle le connaissait. Il lui a demandé si elle le connaissait. Il lui a demandé si elle le connaissait. He asked her if she knew him. Il lui a demandé si elle le connaissait. Tu as l'air pâle. Tu as l'air pâle. Tu as l'air pâle. You look pale. Tu as l'air pâle. À qui, à qui est ce livre? À qui est ce livre? À qui est ce livre? Whose is this book? À qui est ce livre? Comment vous êtes-vous connu? Comment vous êtes-vous connu? Comment vous êtes-vous connu How did you come to know each other? Comment vous êtes-vous connu Je suis fort occupée. Je suis fort occupée. Je suis fort occupée. I'm very busy. Je suis fort occupée. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. This is my daughter. C'est ma fille. Je voulais des chaussures rouges. Je voulais des chaussures rouges. Je voulais des chaussures rouges. I wanted red shoes. Je voulais des chaussures rouges. Je me demande si elle l'épousera. Je me demande si elle l'épousera. Je me demande si elle l'épousera. I wonder if she will marry him. Je me demande si elle l'épousera. Elle est actuellement en train de pratiquer le violon. Elle est actuellement en train de pratiquer le violon. Elle est actuellement en train de pratiquer le violon. She is practicing the violin now. Elle est actuellement en train de pratiquer le violon. Nous avons eu beaucoup de neige cette année. Nous avons eu beaucoup de neige cette année. Nous avons eu beaucoup de neige cette année. We have had plenty of snow this year. Nous avons eu beaucoup de neige cette année. Pourquoi es-tu si tard? Pourquoi es-tu si tard? Pourquoi es-tu si tard? Why are you so late? Pourquoi es-tu si tard? J'aime ce jeune homme. J'aime ce jeune homme. J'aime ce jeune homme. I like that young man. J'aime ce jeune homme. Ne jamais dire un mensonge. Ne jamais dire un mensonge. Ne jamais dire un mensonge. Never tell a lie. Ne jamais dire un mensonge. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. He is always with me. Il est toujours avec moi. Votre vélo est meilleur que le mien. Votre vélo est meilleur que le mien. Votre vélo est meilleur que le mien. Your bike is better than mine. Votre vélo est meilleur que le mien. Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? What is your address? Quelle est votre adresse? Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas? It is very cold today, isn't it? Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a accepté le job. Il a accepté le job. Il a accepté le job. He accepted the job. Il a accepté le job. J'aimerais prendre un café. J'aimerais prendre un café. J'aimerais prendre un café. I'd like to have a coffee. J'aimerais prendre un café. Fais-le rapidement, s'il te plaît. Fais-le rapidement, s'il te plaît. Fais-le rapidement, s'il te plaît. Please, do it quickly. Fais-le rapidement, s'il te plaît. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? What do you mean? Que veux-tu dire? Mon père fume. Mon père fume. Mon père fume. My father smokes. Mon père fume. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois, s'il vous plaît. Once more, please. Encore une fois, s'il vous plaît. Il a arrêté de fumer il y a deux ans. Il a arrêté de fumer il y a deux ans. Il a arrêté de fumer il y a deux ans. He gave up smoking two years ago. Il a arrêté de fumer il y a deux ans. Combien coûte cette cravate? Combien coûte cette cravate? Combien coûte cette cravate? How much is this tie? Combien coûte cette cravate?